2. Bonjour Olivier, est-ce que je peux te demander qu'est-ce que tu fais ici aujourd'hui? Bonjour à tous, ici on est là pour diffuser des tracts pour informer la population de ce qui se passe sur les retraites en France. Ce qui est important de savoir, c'est qu'aujourd'hui la réforme des retraites n'est que le premier objectif de ce gouvernement. L'objectif non avoué, c'est l'attaque complète sur la sécurité sociale. Donc l'ensemble de la population, que ce soit les retraités, les actifs, les chômeurs, seront touchés puisque les retraites disparaissant, la sécurité sociale également, les allocations chômage également. Donc aujourd'hui, ce qu'il faut bien avoir en tête, c'est que qu'on soit retraité, travailleur, chômeur, on est tous dans le même bain, tous concernés par cette loi qui est l'une des plus injustes de l'histoire de ce pays. Pourquoi ? Parce qu'on a un acquis social qui est, on va dire, l'un des plus importants de notre pays. Et cette conquête, on ne peut pas accepter de l'avoir disparaître, que ce soit sous forme des retraites, de l'allocation chômage ou même de la santé. Donc aujourd'hui, on se bat sur les retraites parce que c'est, on va dire, la grosse actualité et c'est le fer de lance. Mais derrière, c'est la sauvegarde entière de notre système de protection sociale. Et est-ce que vous allez faire d'autres actions dans les prochains jours? Donc, continuer d'informer encore et encore. Et donc, le 6 novembre, on appelle l'ensemble de nos sympathisants, de nos adhérents et bien sûr l'ensemble de la population à venir manifester le 6 novembre. Et on soutient également tous les syndicats et tous les travailleurs qui voudraient se mettre en grève ce jour-là, puisque c'est un appel pour le retrait de ce projet de loi et pour une journée franche sur un mot d'ordre clair. Grève, manifestation pour le retrait de ce projet de loi le 6 novembre. Donc merci Olivier, bonne continuation et non à la réforme injuste des retraites. Merci à tous.